Salut Million, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de juin au niveau sentimental, les amis. Je vais séparer les catégories, donc célibataire, couple et les triangulaires. Si je n'oublie pas, je mettrai le timing en barre d'infos, sinon je demanderai à une belle âme généreuse de les mettre en commentaire. Merci, je pourrais l'épingler du coup le commentaire. Parfois ça m'arrive que je zappe, donc je suis désolée. Donc là, je vous rappelle tout de même que la lecture, c'est du général sur YouTube et prenez seulement si ça fait écho. Et n'hésitez pas en tout cas à écouter tous vos signes de votre thème astral pour pouvoir condenser les infos. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Je vais commencer par vous, mes amis Lion. Solo. L'amour passionnel, le grand amour. L'amour réciproque. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez avoir? Hein, on monte la rupture. La fourberie, eh ben dis donc, avoir des échanges, la réconciliation, ah, ok, la bonne récolte, hein? Bon, le passé qui revient, eh ben. Bon, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre, tous les ex ne sont pas à reprendre, hein. Qu'on soit clair quand même, hein, dès le départ de cette lecture, même si c'est beau quand même ce que j'ai quand même dans mes cartes. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, vous êtes grand, vous êtes vacciné. On va pas parler de personnes dégueulasses hein, comme dans cette lecture, même s'il a pu y avoir de la manipulation et des mensonges et des tromperies. Néanmoins, il y a quand même de l'amour. Il y a tout de même des émotions très fortes et qu'il y a un bon timing pour que quelqu'un revienne vers vous et que là, une réconciliation se mette en place et que vous puissiez avoir des échanges. Mais, comme je l'ai dit, tous les ex ne sont pas à reprendre. Voilà, gardez quand même le bon discernement par rapport à ça. Effectivement, il y a pu y avoir des personnes qui ont pu être blessées, qui ont pu souffrir de cette situation. On le voit, hein. Voilà, il y a eu pas mal de tristesse, de peine, de cœur qui ont été vécues à travers cette situation. Donc voilà, c'est pour ça à prendre quand même avec des pincettes hein, par rapport peut-être à un éventuel retour. Maintenant, ça sort tout seul, je le dis. Moi, je ne peux pas non plus nier et faire semblant et faire l'aveugle. C'est pas le but, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour rester neutre, donc je vous le transmets. Mais ça reste quand même tout de même beau. Après, voilà, on va voir. On va voir avec le reste des cartes. Vous pouvez aimer en toute sécurité. Alors, ça peut parler effectivement pour les personnes peut-être qui ont parfois on se sépare pour mieux se retrouver. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y avait tellement des choses difficiles, des blessures qu'on porte, on se rendait pas compte qu'il fallait arriver à une séparation pour qu'on puisse se reconstruire, pour qu'on puisse se reprendre en main et après mieux se retrouver derrière. Et tout ce qui n'était pas bon ici. Ça pouvait être effectivement l'autre personne qui le renvoie en effet miroir, ce qui se passe chez nous, dans notre fort intérieur, pour pouvoir le conscientiser et le prendre en conscience, enfin le prendre en compte et travailler dessus, d'accord? Maintenant, il y a certaines relations, il y a certaines situations, elles sont tellement flinguées, j'ai envie de te dire, que voilà, ça ne mérite pas du tout une seconde chance ou une troisième, j'allais dire une treizième, oh là là! Là, ça fait un peu trop quand même. Alors, je ne sais pas ce que j'ai sorti ce chiffre au hasard ou est-ce qu'il y en a vraiment parmi vous qui ont donné 13 chances, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Alors là, franchement, c'est chaud quand même. Mais bon, on mieux en rire des fois. Bon, on va voir. Ce qu'on vous dit ici, ouvre ton cœur et reçois et donne l'amour, de l'énergie d'entre toutes, la plus grande d'entre toutes, pardon. Moi, normalement, ce que j'ai ici, on est quand même sur une personne qui vous aime, d'accord? Qui vous aime, même s'il y a pu y avoir des choses qui ont fait que voilà, la personne n'a pas été réglo, n'a pas été honnête, a pu vous faire beaucoup de peine, mais je pense qu'elle a eu aussi son lot de peine, attention, hein, voilà, on n'est pas tout seul à souffrir, hein, quand même, dans une situation, même si on peut voir que peut-être l'autre personne, il a l'air de, il ou elle, le vivre plus facilement que nous. Ce n'est pas forcément la réalité, hein, donc faire attention. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a ici l'engagement, place aux choses sérieuses. Ah, peut-être. Alors, dans ce cas-là, dans ce genre de réconciliation, pourquoi pas? Parce que là, on est sur quelqu'un qui, peut-être, je pense que la rupture lui a fait du bien, peut-être lui a permis de remettre certaines choses au clair de son côté. Et on peut voir ici, effectivement, que quelqu'un qui, peut-être, est prêt un peu plus, davantage, en tout cas,
à vous donner de l'engagement vis-à-vis de vous. Peut-être qu'autrefois, n'était pas apte, n'était pas capable de vous le donner. Et puis là, peut tout à fait vous l'accorder ou vous en parler, en tout cas, aller vers cet objectif-là. D'accord? On dirait que franchement, une rupture a été bénéfique, en fin de compte. Maintenant, attendez-vous à recevoir à avoir des échanges avec cette personne. On voit bien qu'il y a un bon timing par rapport à ça pour que la situation puisse se passer ainsi et que quelqu'un tente une réconciliation après une période où il y a eu effectivement une rupture et quelqu'un a pu, en tout cas, voilà, mentir, trahir, enfin manipuler. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, effectivement, on l'a bien vu, vous en avez pas mal souffert ici hein, de la situation hein, tout de même. Donc effectivement, on peut avoir quelqu'un qui passe à l'action. Et si on vous dit, hein, ça vaut la peine d'attendre par rapport à votre timing divin qui est ici, hein, d'ailleurs, le bon timing est là, ça ressort dans cette situation tout de même. Bon, là écoutez, je suis désolée, hein, pour ceux qui sont solo, qui n'attendent pas d'ex, alors là, je n'ai pas de message. Hein. Alors peut-être qu'on va voir un peu avec l'améthyste, pour voir un peu pour les solo-solo. Je vais tenter, parfois ça reste sur la même énergie, hein, je suis désolée. On va tenter, alors pour les célibataires, célibataires Lyon, les solos de chez Solo. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Ah. Alors vous, les solo-solo, il se peut que voilà, vous finissiez un cycle qui a été difficile, hein, pareil pour vous, hein, qui a été compliqué. Hein. En tout cas, on vous dit oui, hein, c'est favorable peut-être pour pouvoir faire une rencontre avec quelqu'un qu'on a ici d'ailleurs, parce qu'on est quand même sur l'amour véritable dans votre lecture. Et puis pourquoi? Parce que c'est possible, c'est positif. Pourquoi? Parce que vous avez su vous transformer hein, complètement ici. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez su remonter la pente, vous avez rebondi aussi. Vous pouvez tout à fait aussi attirer quelqu'un à vous qui a les mêmes énergies ou qui a pu avoir aussi également le même parcours que vous au passage. Et on voit bien qu'il y a de l'amour et de l'amour sincère, d'accord? Et c'est bien vous qui ressortez, les amis Lyon, que vous soyez un homme ou une femme, et on voit bien que vous êtes protégé, vous êtes guidé, il va y avoir un bel appui par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à cette rencontre hein, qui peut ici être une véritable relation durable dans le temps, après une période où vous avez été ici un petit peu en mode galère. Okay? On est sur des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Maintenant, à qui ça peut parler, ma foi, pourquoi pas? Parce que c'est vous aussi qui les avez dans votre thème astral. Voilà, si au cas où vous attendez personne, bah vous, voilà, vous avez cheminé, vous avez clôturé un cycle, c'est positif, c'est favorable, puisque votre transformation s'est mise en place. En tout cas, vous avez été dans ce processus de changement. On voit bien que vous vous êtes pas démonté. Hein, voilà, vous avez vraiment su rester fort. L'amour vous a porté. Et puis, voilà, je pense que vous vous protégez de toute façon tant qu'il n'y a pas d'amour véritable à construire avec quelqu'un. Vous vous préservez, vous vous protégez. Mais on voit bien aussi une relation sentimentale qui est protégée et qui peut amener, en tout cas ici, plus tard, à une vie en commun avec quelqu'un. D'accord? Voilà. C'est beau. Allez, c'était cadeau. Parce qu'on a, comme j'ai dit, tous les ex, enfin tous les célibataires ne veulent pas retourner, ne veulent pas retourner avec un ex. Donc là, voilà, je vous donne la possibilité pour ceux qui n'ont personne et qui n'attendent de personne de leur passé. Ok. Alors maintenant, on va aller voir les couples. Ici, mes amis Lyon, en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Lyons, en couple? Sur ce mois de juin. Alors, franchement, je date. Comme toujours, hein, l'énergie, elle reste fluide. Ça peut être avant, pendant, après, peu importe. Mais le message est transmis, c'est le plus important. Alors, ici, pour les couples, qu'est-ce que vous avez? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Pour les couples. Ah ben. Pour les couples, on dirait que vous êtes effectivement en vie en commun avec quelqu'un. Par contre, vous avez déjà trompé hein, votre partenaire. On l'a. Ouais, j'allais dire l'autre personne, mais bon, c'est pour vous que. Donc je reste sur vous. On voit bien qu'il y a une infidélité.
Parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a bouleversé ou fortement, par lequel ou laquelle vous êtes fortement attiré. Je pense que vous avez résisté un certain temps, mais finalement, vous avez craqué. Par contre, sur ce mois, pour moi, la rencontre, c'est pas fait sur juin. Hein. Enfin, ne se fera pas sur juin. Hein. Ça s'est déjà fait, hein, pour moi. Cette infidélité, c'est déjà. En plus, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, hein, la personne avec qui il y a eu cette infidélité. Par contre, sur ce mois de juin, on voit bien que par rapport à cette personne, il y a toujours des empêchements. Ça ne se met pas en place avec cette personne. Par contre, qu'est-ce qu'elle occupe vos pensées? Ça, oui. Elle occupe énormément vos pensées. Ici, j'ai quelqu'un qui souhaiterait pourquoi pas oser se lancer. Bon. Mais qui est tenté peut-être ici à se lancer. Mais pour moi, j'ai des actions très limitées. Hein, d'accord? Vous pensez beaucoup à cette personne hein, ici, de toute façon, même si vous êtes là, continuez votre vie de couple, avec votre vie sociale, etc., etc. Mais néanmoins, vous cherchez si l'herbe est plus verte ailleurs. Soit c'est vraiment avec quelqu'un, et je pense qu'il y a eu, à un moment donné, je pense qu'il y a eu plusieurs infidélités hein, pour certains. Mais parmi ces infidélités, il y a eu une rencontre qui a été une connexion très particulière qui a dû sortir du lot. Je préfère le préciser quand même. Dont vous êtes complètement attiré hein, par cette personne, c'est magnétique. Vous vous sentez tout de suite rempli d'énergie, tout plein d'émotions qui vous traversent. C'est très fort, c'est très intense quand vous la voyez, hein, cette personne. Par contre, effectivement, est-ce que vous êtes en train d'agir? Est-ce que vous êtes en train de poser des actions? Je dirais que non, hein, pour autant. Mais vous rêvez de cette personne. Vous pouvez aussi l'apercevoir en rêve, hein, pour certains d'entre vous. C'est un peu de la torture quand même, un peu cette lecture pour certains d'entre vous. Parce que... Ouais. On va aller voir avec le reste des cartes, hein, ce que j'ai ici. Ah, attendez, je vais juste peut-être rajouter une carte supplémentaire. Réconciliation. Donc, ok. Donc, finalement, je me demande s'il y a quelqu'un qui ne va pas, en fin de compte, agir, hein, comme on avait finalement ici, osé se lancer, pour se rabibocher ici avec la carte réconciliation. Pourquoi pas? D'accord. La rencontre, pour moi, elle s'est fait bien au niveau social. Alors, attendez, vu qu'on y est, on y est. Un succès total sur cette réconciliation, d'accord? Et on a quoi ici? Bah oui. C'est ce que je disais, une relation magnétique, attirante. Quand vous voyez cette personne, je pense que vous pétillez, vous brillez parmi de mille feux. C'est très très fort, c'est énergétique, hein. Ça va au-delà du physique, ok? Ça va vraiment au-delà du physique parce que c'est énergétique. Je pense que c'est les deux âmes hein, ici qui lui sont complètement envoûtées de l'une et de l'autre et qui l'attraction, elle est irrésistible, ok? Mais effectivement, c'est le lieu de vie, la personne avec qui on est, on vit en commun, qui empêche à ce que cette rencontre, cette relation puisse évoluer ou qui a pu à un moment donné être empêchée d'évoluer. On voit bien par contre qu'il peut avoir quand même une réconciliation qui réussira à se mettre en place pour certains d'entre vous. Alors effectivement, c'est ce que je vous disais, parce que j'ai l'impression qu'on était à un moment donné avec la personne. Alors effectivement, il y a pu y avoir une infidélité charnelle, rapprochement, etc. Mais même au niveau de la pensée, c'est comme si on avait des doubles pensées. Vous voyez, on est avec quelqu'un et pourtant notre tête, elle est ailleurs, le cœur, il est ailleurs. C'est aussi une infidélité, hein, même s'il n'a pu ne pas se passer quelque chose. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Mais rien que le fait de penser à quelqu'un d'autre, de ressentir des émotions pour quelqu'un d'autre et d'avoir des pensées pour quelqu'un d'autre, c'est aussi une forme de tromperie parce qu'on n'est pas du tout engagé face à la personne en face de nous avec qui on est en train de vivre une vie en commun, d'accord? Et là, en plus, voilà, ça a dû être un gros blocage à un moment donné dans votre relation. Ok. On va voir ici hein, ce qu'on a du coup. L'hésitation. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Je ne pense pas que c'est une question d'aimer ou de ne pas aimer, c'est d'hésiter à faire le pas vers cette réconciliation.
Alors, effectivement, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui a du mal, est-ce que c'est vous, je devrais dire, parce que pour moi, je tire pour vous, donc pour moi, je m'adresse directement à vous, les lions. Est-ce que c'est vous aussi qui avez du mal à savoir ce que vous aimez ou vous aimez pas? Est-ce que vous pensez que c'est juste de l'attraction, que c'est juste de l'attirance? Je pense pas. Bon, alors attendez, parce que j'ai tout de même pas la carte de l'amour. Hein. J'aurais préféré avoir le grand amour passionnel, quand même, comme carte, avant de me prononcer. On a une féminine. Ouais, la séduction, la douceur, la tendresse, l'affection, les câlins, le côté magnétique. Ouais, bah, la relation de. En plus, on a ici le côté gestation, le côté. Une relation qui a été très très peu vécue, hein, parce qu'on est aussi sur le début, sur les prémices, hein, d'une relation. C'est peut-être ça aussi qui fait que ouais, on va recevoir des nouvelles. Bon, ça ne veut pas sortir, mais franchement, avec tout ce que j'ai, comment on s'est entouré, parce que sinon, on ne se casserait pas la tête hein, à vouloir se réconcilier. Si c'était qu'une petite amourette, hein, d'accord? Ça va au-delà. Ça ne veut pas sortir, j'insiste pas. Mais effectivement, moi j'ai quelqu'un qui a envie de passer à l'action et de rentrer en communication. Hein. Mais je pense que c'est vous, les lions, ici. Qui avait envie de revenir faire un pas vers quelqu'un et communiquer avec quelqu'un. Ouais, vous dire que ça vaut la peine. Non, ça, c'est resté tout à l'heure. L'alchimie. Bah ouais, c'est ce que je disais. Attirance, passion, atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous. Bah, tu m'étonnes. Oui, effectivement, c'est irrésistible, hein, de toute façon. Par contre, cette situation, effectivement, demande à faire des efforts. Et on vous dit que le grand amour mérite de passer par certaines étapes. Voilà, le grand amour. J'insiste. Parce que je n'ai pas réussi à l'avoir dans les autres cartes, mais voilà, ça ressort tout seul en fin de compte ici. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation, car peut-être parce que comme je l'ai dit, c'est une relation effectivement très attirante, magnétique, énergétique, parce que ça va au-delà de la raison. C'est clair, c'est même plus que évident. Pour aller vers cette réconciliation. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment une relation qui était très superficielle malgré tout. Alors je m'explique hein, à la superficialité. Ça veut dire que c'est une relation qui n'a pas pu ou avoir eu le temps de se construire. J'insiste parce que j'avais la carte de la jeunesse dans le paquet tout à l'heure. Et on le voit bien dans votre lecture. Et puis comme on avait déjà une vie en commun avec quelqu'un qui a été un gros blocage, un gros frein et des actions très limitées qui fait qu'on n'a pas pu de toute façon construire cette relation comme il fallait. Je parle à ces personnes-là dans cette lecture. En plus, la rencontre s'est faite dans les réseaux, au niveau de la relation sociale. Alors, c'est quelqu'un que vous avez autour de vous, d'accord? Ça peut être pour certains, pourquoi pas, oui, soit dans l'entourage, soit dans les réseaux sociaux, sur Internet, pourquoi pas. Voilà, vous l'adaptez hein, par rapport à ça. Voilà, mais écoutez, on va s'arrêter là hein, pour les couples très particuliers. Par contre, c'était un couple où vous êtes en triangulaire, hein, clairement, hein, ici. Bah, ma foi, vous pouvez tout à fait vous reconnaître dans la partie triangulaire hein, pour le coup. Alors, je mets la vidéo en pause pour pouvoir mélanger mes cartes tranquillement. Et voilà, alors ici, on va aller voir du coup les triangulaires. Cherchez mon mot. Alors, les couples peuvent se retrouver dans la triangulaire. On avait tout de même une triangulaire dans les couples. Prends de la hauteur. D'accord. Ah. Pour certains, ça peut être par le biais professionnel que vous avez fait cette rencontre. Hein. Mais effectivement, cette relation, cette situation demande ici à fournir des efforts également. Et recevoir des nouvelles. Il a pu y avoir une vie en commun avec des enfants qui a pu ici entraver cette personne, hein, ton autre, hein, d'accord, ou toi-même. Voilà. On voit bien qu'il y a des efforts ici qui demandent à être fournis ou la relation aussi a pu démarrer sur un lieu professionnel pour certains d'entre vous à qui ça peut parler. On dirait que effectivement les vacances, moi, ça me fait penser au côté où tu sais où c'est vacant. On a dû peut-être pendant une longue période ne pas se voir. D'accord? Ne pas se voir et pour autant, même si on ne se voyait pas,
Les pensées, au niveau de la pensée, la personne ne vous a jamais quitté. Et vous n'avez jamais quitté aussi cette personne de l'autre côté de la barrière, ok? Au niveau mental, au niveau de la pensée. Effectivement, j'ai un passé qui revient. Je peux avoir aussi une forme de nostalgie. Alors, je pense à un passé qui revient, parce que j'ai quand même à recevoir des nouvelles. J'ai un passé qui revient et il peut y avoir quand même ça, quand la personne revient, est-ce que toute la peur, toute la peine, toute la colère, toute la tristesse qui peut remonter à la surface. Ok? Vous dire, oh là là là, j'ai pas envie encore de me retaper la tête contre le mur. Je pense que là, on va parler plutôt pour des personnes qui ont voilà, qui ont pas mal peiné hein, dans cette situation. Et ça, quand la situation va se représenter à vous, je pense que ce qui est votre réflexe, hein, un peu pour vous défendre, c'est de dire, oh, mais j'ai pas envie encore de ressouffrir moi dans la situation. D'accord? Ça va être votre réflexe, hein, direct. Parce qu'on voit bien, hein, c'est pour ça que vous allez prendre de la hauteur sur ces nouvelles-là. Même s'il vous envoie un message, je ne pense pas que vous allez tout de suite répondre à cette personne. Voyez? Il vaudra ici vous contacter, ou alors c'est quelqu'un aussi qui prend le temps, le recul de vous envoyer ici un message, où vous-même, vous avez envie de prendre de la hauteur avant d'envoyer ce message. Parce que voilà, la situation, elle a été quand même souffrante, peut-être aussi de votre côté, la personne de l'autre côté de la personne. Voilà, je vous laisse vraiment l'adapter hein, par rapport à ça. Parce que je pourrais tout à fait me parler aussi à des hommes lions hein, dans cette lecture. Donc ça pourrait tout à fait vous concerner directement. Et pour d'autres, ça peut être vraiment votre personne en face de vous. Voilà ce qu'on a ici dans cette lecture. Bah oui. On a l'union, donc on est bien dans une triangulaire parce qu'on est quelqu'un, enfin on a quelqu'un qui à la fois est en union, a des enfants, est bloqué dedans. Donc ce passé qui revient, c'est peut-être pour ça que finalement j'ai quelqu'un qui prend encore de la hauteur à réfléchir et à voir en fait, parce que c'est comme si j'ai quelqu'un qui a du mal à voir l'issue de son blocage ici. Donc qui a pu à un moment donné de toute façon se bloquer même au niveau de vous contacter également, hein, parce qu'il prend de la hauteur, parce qu'il voit bien qu'il y a une situation avec des enfants ici, hein, que ça lui demandera encore réflexion ici, hein, pour lui ou pour elle. Ou pour vous, hein, c'est vous. Ouais, et bien ici, une union qui du coup, est un contretemps à votre relation ici. Ouais. En plus, j'ai quelqu'un qui a du mal à faire un choix. Et le temps file, d'accord? Ouais, mais il y a quand même une réconciliation tout de même avec quelqu'un d'autre. La réconciliation, c'est avec la personne avec qui on a commencé à flirter ici et que c'est un succès total. On retrouve hein, finalement ce succès total sur cette réconciliation comme on avait tout à l'heure dans les couples. Hein. C'est fou. Hein. Je vous avais dit, hein, on aurait dit, on a commencé quelque chose, on était au niveau d'un primisme de flirt, de quelque chose de très très léger, tu vois. Et on voit bien qu'il y a une réussite ici au niveau de cette réconciliation. Et l'union, on a quoi ici? On va se sentir attirant. On est quand même dans une union, mais on se sent attiré par quelqu'un d'autre, hein, pour moi. Je le précise. Ok. Comme ça vous donne de plus en plus de détails par rapport à votre situation, les lions. Lâchez prise. C'est ce qu'on va vous demander. Laisse cette situation évoluer tout seul. N'interviens pas, ou l'autre personne ne devrait pas intervenir, si c'est toi qui dois faire le pas vers l'autre. On vous dit que ça sera. Peut-être que finalement, vous allez vous revoir, enfin, ou vous recommuniquer par pur hasard. Est-ce qu'il y a un hasard dans ce monde, dans cet univers? Je ne sais pas. Mais voilà, peut-être laisser voilà, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Alors, je ne pense pas, quand franchement, c'est le hasard, est-ce qu'on a le temps encore d'aller se préparer? Pour sentir le grand jeu, des fois on bug. Même le fait ne serait-ce que de parler à quelqu'un, on bug. Hein. On ne sait même plus quoi dire, on ne sait même plus quoi faire. Mais en tout cas, on n'est plus là. Hein. On est absent. On est aux abonnés absents. Non, mais je rigole. Mais voilà, on dirait que c'est par pur hasard, vous allez vous rencontrer en fin de compte comme ça. Et je pense que ça sera le début en fait d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Ok. Bon, je m'arrête là. C'était sympa. En tout cas, j'espère que vous avez aussi apprécié être en ma compagnie hein, durant toute cette lecture. Je vous laisse ici, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la chaîne et à partager le contenu si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, les amis.